Quelle église? Qu'est-ce que vous attendez du mot église? Ecclesia. Ça commençait en Grèce, mon frère. Ecclesia. Bakéina Ecclesia, c'était un mouvement syndical. Ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Non, quand le mot là, Ecclesia, a commencé en Grèce, c'était le mouvement syndical. Parce qu'il n'y a pas la mort. Il n'y en a pas. Mon frère, tant que tu es dans la colla là, Tokufaka. Il a déjà un cinquième Yaliwa. Tokufaka. Kongi. Okay, oui. Tokufaka. On m'a dit que le colla là, au bossa ni même moi si na waza pembe na yo. Au bossa ni même ba nous en abango. Nambongo bossa ni. Au bossa ni nyonso. Au comique au vivre sur l'endroit de ton rêve. Au comique au vivre kuna la kati. Jusqu'à ce que le matin. Tu vas maintenant retourner pour regagner ce corps. Et au biso tozo tanga mes bien-aimés, et où tu wapi? Bible wapi? Et où tu wapi? Et où tu wapi? Ba oyo ba yela ki biso Bible wana, oyo ba passer bazo tanga. Moïse bango ba tanga kawana, akati saka mer rouge, asala ka boye na boye, asambela ka na akina ko semble na Sinaï, nzama bimela ka yena Sinaï, ainsi de suite. Est allé déterrer les ossements de Joseph pour amener ça. Na pays où il y a un problème, là, il n'y a pas eu un problème. Ce qui est au côté du monde occidental, parce que l'évangile est gréco-romaine. Mais c'est au vent de la Kuna. Nous avons un cimetière. Au nom de Dieu, nous avons un pasteur qui a été fait. Premier continent le plus christianisé, l'Amérique latine. Va aller voir ce qui se passe là-bas. Sous pauvre. Deuxième continent le plus christianisé, c'est l'Afrique. Yaka Komona. Nous sommes au Congo. Talaba Mangomba. Talaba Mangomba. Est-ce que vous avez un boulam? Parce que vous êtes dans l'erreur. Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Proclame, instaure le monothéisme. Et à ce moment-là, l'État hébreu d'Israël n'existait pas encore. Parce que cet État vient d'exister qu'en 1948, de notre ère. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Très bien. Alors, j'ai dit, il faut faire très, très attention. Comme j'ai écouté aussi un autre frère qui parlait de Melchisedec. Oh, Melchisedec comme ça. Mais j'ai dit, mon frère, non. Mais la maman de Melchisedec s'appelait Sophonime. Elle s'appelle Sophonime. Alors, paisiblement et avec joie. Jouyo Koufa, balélaté. Balélaté. Mais vous avez la famille, tu n'as pas balélaté. Bon, je ne crois même pas que na Koufa, je crois que na disparaître. Au disparaître? Oui. Yoza extraterrestre. Je crois que na disparaître. Je ne crois pas que ba otchanga na kata cercueil et puis les gens commencent à spéculer et tout ça. Voilà, grand merci mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Équilibre Télévision, bienvenue et merci pour votre particulière attention. Devant vous, c'est Jérémy Louemba, les renards du désert, et nous sommes là à Kinshasa, la capitale de l'RDC. J'ai ce réel plaisir de recevoir pour vous un homme spirituel. C'est avec lui que nous allons passer quelques minutes ensemble, vous allez également le découvrir. Tout au long de cette émission, mon invité est déjà là. Bonjour maître. Oui, bonjour, bonjour frère Jérémia. Mon nom c'est Bautala Bisso, peut-être que tu as été là, d'abord, comment est-ce que tu as présenté ça, la plaisir. Bon, moi on m'appelle docteur Pierre Wapiti, vénérable prêtre de la gnose christique. Moi qui suis au Congo, Zolo Mukola. Voilà, Wamudimo. Donc, Waneza, Bakombo, Oezo, Bengama. Mais j'ai eu un nom à chaque époque
et à chaque période. Et dans cette période où nous sommes actuellement, Bazobenganga docteur Pierre Wapiti, vénérable prêtre de la Gnose christique qui vit en Europe. Voilà, ça c'est bien, le vénérable prêtre docteur Wapiti Pierre. Nous sommes suivis à travers le monde. Alors, on a dit qu'à juste et simple présentation, mais quand même au salarié de la vie. Bon, moi, j'ai double domaine. Très bien. Mais, domaine que j'aime beaucoup, que j'ai fait toute ma vie, c'est le domaine spirituel. Ah, ok. Donc, moi, je suis né là-dedans, je suis grandi là-dedans. Donc, n'est-ce pas le baranaba terme spirituel, je suis initié, né initié. Donc, je suis initié, je suis déjà initié. Donc, je suis dans ce monde pour accomplir une mission. Et dès que cette mission sera accomplie, sera achevée, je retournerai là où j'étais avant. D'ailleurs, je suis posé dans le lobby, parce que je dois regagner la demeure céleste, la maison du Père, paisiblement et avec joie. Joyeux au Koufa, balélaté. Balélaté, balélaté. Mais aux gens la famille, t'es et tu n'as pas l'élaté. Bon, je ne crois même pas qu'il n'a pas fait. Je crois qu'il n'a pas disparaître. Au disparaître? Oui. Yosa extraterrestre. Je crois qu'il n'a pas disparaître. Je ne crois pas que Baotchang en a qu'à cercueil et puis les gens commencent à spéculer et tout ça. Je crois qu'il n'a pas disparaître. Bah, au moins, quand on a sauté, na bunga, na kenda, bah, mituni ba question pe ba lembi, allez si l'ipendengwala. Vous comprenez? Donc, donc, c'est un peu ça. Alors, dans d'autres domaines aussi, je travaille dans les domaines juridiques aussi, là où je suis attaché chez les procureurs du roi et tout. Mais mon domaine vraiment spécifique, c'est spirituel. Alors, docteur Wapiti, au sein un peu à voyage astral, pour nous, on a dit que vous disparaîtrez un jour. Ça me donne l'idée de penser à ça. Hein? On voyagera déjà dans mon limo. Et qu'est-ce que vous attendez par voyage astral? Parce que Nayoka Batumingi Balobarango, voyage astral, voyage astral. Mais quand on leur pose les questions, expliquez-nous, voyage astral, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Au moins, je vais vous donner une réponse précise. Donc, des fois, les gens citent les mots qui ne connaissent même pas la valeur, qui ne connaissent même pas la signification. Ah, donc, qu'est-ce que vous attendez par voyage astral? Bon, je peux vous aider un peu. Il y a des gens qui font ce genre de voyage pour quitter ce corps. Hein? Moyennant quelques rituels. Ils font des rituels magiques qui permettraient à se débarrasser d'une enveloppe Oyo, à utiliser son corps éthérique pour aller maintenant vaguer et visiter d'autres mondes. Qui est très dangereux. Ils allaient très dangereux parce que le monde où ils ont visité, ils allaient là, 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 parce que ils allaient là, ils allaient là. Donc, ils allaient là, ils allaient là, ils allaient là, ils allaient là. Alors, dans l'autre monde, c'est pareil. Alors, il faut y aller, vous allez visiter qui? Vous allez visiter quoi? Alors, c'est très dangereux. Alors, tant que vous allez là, retour. Pour regagner maintenant ton enveloppe terrestre que tu avais laissée ici-bas, au coquille qu'on a mené peu de certaines anomalies, au coquille qu'on a mené peu de certaines maladies. Raison pour laquelle au Komona, bateau basala kaba voyage astral qu'il provoque eux-mêmes par leurs propres intentions, mingi bakufaka naba maladie cardiovasculaire. Cardiovasculaire. Parce que tout dépend, il faut oyeba qu'on manipule comment. Garder ta respiration. Comment manipuler ta respiration? Oh, et que respiration ezali à partir de ba poumon na biso na ba mitema et tout. Ba tona mingi ba kufa na ba maladie wana. Mais oh, biso tozo sala to benga voie spirituelle, nga mutu na ko provoquer yango te. Hein? Il y a deux jours, j'étais avec ma grande sœur qui est déjà décédée. J'étais avec elle il y a deux jours. Donc la nuit du 31. La nuit du 31 au 1er, j'étais avec ma grande sœur Elisabeth
qui est déjà passé de l'autre côté. J'ai parlé avec la personne qui avait passé la nuit dans la maison avec moi, qui est dans la grande sœur Nanga Lilo. On a parlé beaucoup. Elle a même pris, je lui ai montré même mon passeport européen et tout. Ce n'est pas moi qui est allé demander cette visite. Yemoutou de l'autre côté a moniqué. Azana makambo ya ko communiquenga avec la permission qu'il a reçue des autorités de l'autre côté pour qu'elles viennent m'informer, me donner ces informations. Alors aye opesanga ba information wana. Mais nga mutuna ke ko lukaye na ba pratique rituelle. C'est ça un peu la différence. Yo provoqué visite wanati. Nga na provoqué visite wanati. Ah, na provoqué ya ngote batu ya likolo oyo baza na mokile bombama soki ba monique baza eza na importance moko bala kisanga likambo moko boye bangone ba ya kozwa ngai ba kei ko la kisanga likambo wana indépendant ma deux nam no ke no senga bangote ke moko no la kisanga bon le temps sanga na victoire non si elle voit que il y a un secret qui est caché na kacha victoire. Alors il faut que maître aye bayango bangonde bakoya kozwanga bake kotamsa. Alors c'est pourquoi nous visitons tellement de sites, tellement de mondes aussi qui sont cachés. Ezaka ka paradis na lifelo te ndeke bakatolike bayeki kokosa biso. Il y a d'autres mondes qui sont cachés qui au batupe bazo vivre kuna na kati au petozo kende ko visiter pour des différentes raisons. Voilà, merci beaucoup docteur Pierre Wapiti. Ça commence bien, hein, au fond, les parenthèses mots très, très importants. Alors, entre nous, j'aimerais quand même savoir, au Béti Masola Liwa, yo Sola Ina grande sœur na yo Akoufa, et depuis des années, avec qui n'a pas l'air de visiter yo. Bon, je ne sais pas, il y a le biologique, il y a mon qu'on a une autorisation, c'est quand ça, là, qui n'a pas l'air de pas l'air de Solo Liwa, ma famille privée. Pour l'accès au passeport, mais de ce passé, on va interpréter ma mot le bio. Alors, peut-on aussi, nous, ceux qui sont encore vivants, pour avoir Koufi, aller rendre nos visites, pour Sololi. Parce que le bio sera vivant. Peut-on aussi rendre hommage aux personnes décédées? Si. Si. Parce qu'il n'y a pas la mort. Il n'y en a pas. Mon frère. Tant que tu kendaka ko lala, tu koufaka. Il a déjà un cinquième yaliwa, tu koufaka. Pongi. Okei, oui, tu koufaka. Au moment où tu es ko lala, au bossa ni même moi si na waza pembe na yo. Au bossa ni même ba nosa na bango. Na mbongo bossa ni. Au bossa ni nyonso, au komi ko vivre sur l'endroit de ton rêve. Au komi ko vivre kuna na kati. Jusqu'à ce que le matin, tu vas maintenant retourner pour regagner ce corps. Nous autres, nous avons une enveloppe hein, remplie des os, de la chair et du sang et qui coûte moins cher sur le marché public, comme a dit Prabhupada. Au moment-là, sur base du corps, depuis Nango Batia, on a victoire Bateka, on a Nango ya Osombao. Bah ouais, là-bas sont bataba. Mais corps ou oh, ben Nango sale Nango lolendo. Omoni. Donc tant que là la kato kufaka. Mais loko la yo oyebike, oko la mukana tongo. Raison pour laquelle ozo ko banga ko kende ko la la ti. Omoni. Pour na kata conscience non yebike le matin je vais me réveiller. Mais il y a aussi les gens. Alors maintenant, liwezanini, oko se débarrasser na vêtement oyo. Parce que c'est un vêtement qu'on t'avait emprunté. Ba défisa ki yo ko défisa. Eza ya yote. Ba défisa ki yo pour venir dans ce monde terrestre, dans ce monde d'ici-bas, dans ce monde où nous appelons le monde inférieur pour accomplir une mission. Raison pour laquelle dans la news christique, nous nous posons quatre questions. Que dis-tu de toi-même? D'où viens-tu? Où vas-tu? Quelle est la raison de votre visite ici-bas? Est-ce que vous avez des réponses à ces quatre questions? Hein? Que dis-tu de toi-même? Tu es qui?
D'où viens-tu? Outa wapi? Où vas-tu? Ozokende wapi? Et quelle est la raison de votre visite ici-bas? Oya ki kosa la nini na mokilo yase. Ce qu'on a nos yeux, ma réponse à quatre questions, vous êtes encore un ignorant. Vous êtes encore un ignorant. Alors maintenant, yo se débarrasser na vêtement o ngala yebi mukolo ango. Oko se débarrasser na ngo maintenant pour prendre les vêtements spirituels. On n'a pas que ces corps. Nous avons d'autres corps. Il est le corps causal, il est le corps éthérique, il est le corps bouddhique, ainsi de suite. Alors, yoko zoa corps monsusu éthérique pour aller vivre maintenant de l'autre côté, dans le monde que nous appelons invisible, parce que vous n'avez plus le corps physique pour qu'on puisse vous voir. Mais dans le corps, dans le monde où vous êtes parti, bozo mona makamunoso ezo leka awa. Alors, maintenant, bakokoneko kunda depuis na yo. Ces vêtements que tu avais utilisés, yango ba komema yango ba ke niko kunda yango. Première faute, ce qui ba tcho na kata cercueil moko oyo ba sele on a ba bois dur. Et sa première faute, parce que il faut corps oyo ba tika yango et se dissoudre dans la terre le plus vite possible. Alors que ce qui ba ke ba kangio na kati ya sarcophage moko ou ba kangio na kati ya cercueil moko de bois noir ou de bois dur, corps a la difficulté et se dissoudre dans la terre. Alors, aussi longtemps que ton corps est en difficulté, yo corps n'a yo éthérique zonga toujours en cherchant, en voulant intégrer ses vêtements. Mais moyen à s'intégrer en sexualité parce que la porte de la glande pinéale était fermée. Et puis, corps n'a yo ici et comme il s'est disloqué. Maintenant, tu vas commencer à tourner que là. Tu vas commencer à tourner que dans cette sphère où il y a la mabé mingi pona yo et que la loko la punition. Maintenant, rendre hommage. Oui, nous pouvons rendre hommage. D'ailleurs, quand j'étais là, j'écrivais quelque chose que j'ai pris sur les dictionnaires. Rendre hommage à une personne décédée est une façon de la laisser partir, tout en les gardant présents dans notre mémoire. Ngana kobo sa mama nanga kufate. Maman oya bota kanga oya selaka ke corps nanga oyo physique ezala formé na kati ya libumunaye pour que moi je vienne accomplir ma mission ici bas, parce que sans les corps terrestres vous ne pouvez pas être ici bas raison pour laquelle même Christ avait un corps nala ke robo sanaye jamais na okene na tombe naye. À chaque fois que je vais à Kinshasa, la première chose que je fais, je me rends à la tombe de ma mère pour lui rendre les hommages, pour dire, lui dire que maman, vous êtes parti de l'autre côté. On se voit souvent quand je suis aussi, je viens aussi vous rendre visite de l'autre côté, mais je ne vous ai jamais oublié. Vous êtes toujours présent dans ma mémoire. Raison pour laquelle n'a aucun de toujours qu'on rendre visite. N'a aucun de qu'on rendre visite dans la tombe de ma petite sœur. On avait grandi ensemble. On était ensemble dans un même toit, dans une même maison. Bango ba précédenga na au-delà, ba précédenga na monde futur, na mokile bombama. Ngai ndekani na koko bosa na bango. Mais na koko bosa na bango te. Raison pour laquelle toujours que ne ko rendre bango hommage. Rendre hommage à quelqu'un, ce n'est pas aller adorer cette personne qui est décédée. C'est seulement pour lui témoigner ton amour, pour lui témoigner ta reconnaissance. Que ozalaki maman nanga, ozalaki papa nanga, okenda na mokile bo maman po bakufate, ils sont là. Ils sont là bakufate. Oh. Raison pour laquelle le monde qui bakoko na biso, bazalaki ko benga bango. So bangi basala likambo, bakomi ko benga, ngai mwana ya boy, ngai famille boy. Bino bato bokenda, atangi bango, atangi bango, atangi bango, bango pe na mokile bo maman bakoyoka ye. Alors, oyo bazo tangisa biso sikoyo que l'esprit des morts, ça ce n'est pas la bonne spiritualité. Soki toke kotanga na livre ya Genèse chapitre 13, toko non Exode chapitre 13, to monani. Qu'est-ce que Joseph dit? Tangu bino bokolongwa na awa na mabele ya bapaya, esika biso to yaki kozwa refuge, tangu bokokende na mabele ya elaka, oyo balaka kibiso bosala nini? Botika mikuwa na ngai awa te. Bo mema mikuwa nangai, bo kende nango, ti na mokili oyo balakaka na bakoko na biso. Abraham. Alors, 430 ans après,
tango bango bazo bima Moïse azo bima na bana Israël bazo bima na kata Égypte. Qu'est-ce que Moïse a fait? Ake kokundola ba Osma ya Joseph ake de kokundola yango. Mais Bible o biso tozo tanga me bien aimé e wuti wapi? Bible yango e wuti wapi? E wuti wapi? Ba oyo ba yela ki biso Bible wana oyo ba passer bazo tanga Moïse bango batanga kawana akati saka mer rouge asala ka boyina boye asambela ka na akina ko semble na Sinaï nzama bimela ka yena Sinaï ainsi de suite est allé déterrer les ossements de Joseph pour l'amener ça na pays oyo balaka ki bango na mabelo balaka ki bango là il n'y a pas eu un problème. Ce que de côté dans le monde occidental parce que l'évangile est gréco-romaine. Bisho to vanda kuna tozo mna nde bazo lengela ba cimetière oh tozo komona ndenge baza ko lengela ba cimetière ya ba koko na bango soki to keina Israël oyo bango batanga ka toujours Israël Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Abraham akufa non Isaac akufa non Jacob akufa non. Pour quelle raison vous citez leur nom dans vos prières? Pour quelle raison? D'ailleurs baza même ba koko na binoté ba yebi même binoté bakoye baka pe binote bozana liente boza pe na lignete soki yo ke na Israël lelo okokuta ke basakana na cimetière te soki moto akufi bazali na ba service oyo ezali spécialisé pour na ko prendre soin de la dépouille bino ba famille bokoya kaka mokolo ya enterrement na cimetière po boya kotala ndenge bazo ko enterrer membre ya famille na bino et après vous ne pouvez pas aller jouer ou faire de n'importe quoi dans ces lieux-là. Pour quelle raison? Mais ce que vous avez awa, ba cimetière ba buki buki yango, ba cimetière ba tongi yango bandaku, vous bravez la mémoire de vos ancêtres. Est-ce que bokomona bolamu? Bokomona bolamu te. Bokomona yango te. Bokamati mabele ya ba cimetière où reposent les ossements de vos ancêtres. Bozo brave yango, bozo buka yango, bozo teka yango mapango. Alors les ossements sont encore fraîches. Bango na mokile bon mama, ils sont en colère contre vous. Or bango ne bayaka ko sunga biso. Bango ya ko sunga biso ndegenine. Cette souffrance ne finira jamais si les Congo ne pratiquent pas la bonne spiritualité à la manière de nos ancêtres. Toutes ces églises-là, c'est de n'importe quoi. Non, docteur, je vais retirer la phrase à Soukoulobi. Pour que vous ayez un peu de coutume, cimetière, donc selon vous, cimetière est un lieu sacré. Il est une église dans les valeurs spirituelles. Quelle église? Les bâtiments? Quelle église? Qu'est-ce que vous attendez du mot église? Ecclesia. Ça commençait en Grèce, mon frère. Ecclesia. Bakéina Ecclesia. C'était un mouvement syndical. Ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Baké, Babaniko Sakanabazo Yemba. Non. Quand le mot là, Ecclesia, a commencé en Grèce, c'était le mouvement syndical. Ils sont allés dans un endroit pour écouter une certaine idéologie. Il y a un temps, on a troisième siècle, Baye qu'on créé l'église catholique romaine, ou les gréco-romaine, qui n'a rien à voir avec nos ancêtres, parce que les rites gréco-romaine, mais je suis grec, mais je suis romain. Baye, basali makambouana. Babungi si bisonzela. Mon frère, babungi si bisonzela. Bayoko saisir ce que nous appelons l'évangile paulinienne que Paul les avait amené, ba transformer yango tout au long de l'histoire de la, du monde, baza ko transférer, baza ko trafiquer, baza ko changer. Raison pour laquelle tokomona bonheur te avec toutes ces églises implantées comme des champignons dans tous les coins de la rue. Tokomona clarté. Voilà, ça c'est docteur Pierre Wapiti, mesdames et messieurs. Vous nous suivez religieusement, je vous salue respectueusement. Maman Claudine Louyeye depuis Kinshasa, c'est Maman Yassi, femme légitime.
y a Jean-Si Maes, Forza Italia, Lévier Simon, Kanda à Londres, Joël Moulungé qui est à Birmingham. Vous êtes tellement ébilé. Merci d'être là. Alors, docteur, entre nous, au fond, on a mis une mémoire sur les personnes décédées, sur la spiritualité, sur les cimetières. Mais tu as tout dit, mais je ne pense pas que vous concluez en disant que nous pouvons aussi aller prier dans le cimetière. Ça, je pense que vous l'avez noté. Et vous allez peut-être... Non, non, mon frère, tu as besoin de prier, tu as besoin de faire une incantation, tu as besoin de faire une invocation. Nous ne parlons pas de ça. Ce qui m'a dit que la matiti, na tombe, il y a un ossement, il y a un parent. Ma béni n'a sali. A keko kombo la. A keko kombo la. A keko longo la matiti. A keko nettoyer. A keko repeindre. A keko arranger. Ce qui va tomber et ça là qui va fissir. To et boukana qui vit le temps. A keko arranger yango. Derrière moutouana a ko pambo la ma. Parce que a honoré. Ba koko nae au bazar de l'autre côté. Moutouana a ko pambo la ma. Que moutouyo a abandonné. Tombe ya bakoko na ye ale kaka a kanisa kabangote amona kabangoti na te eloko mokote muto na kopambula mate raison pour laquelle ozomona makambu na mboko yo ozomona makambu na mboko yo mon frère même les ancêtres nous ont tourné les dos. Même les ancêtres nous ont tourné les dos parce que toke na mauvaise voie mon frère toke na mauvaise voie. Bah même qui mis sur la mauvaise voie photo tellement ce qui va passer bazar sincère bah comment on a ma bonne ligne ne va salité tout kata balier tout kati balier tout ça la tout sali bah monsieur surtout bah qu'est-ce que les bombes bah ce qui va ninga que bah photo bah maman la bino bolongo la nabamir parce que écobeng esprit des morts ce qui était faux est fausse. Yo longola o effacé histoire na mon frère imaginez vous vous décédez aujourd'hui au le banano batikali bazu ba photo na bakomi ko passo là et le connait de bakola ki sana bana ya bana na bango regardez comment était notre ancêtre votre grand-père quand on efface votre histoire on efface votre mémoire vous devenez inexistant. Alors lorsque les pasteurs disent que prions pour la nation. To prier pour Namboka Nabiso, to prier pour l'armée Nabiso, to prier pour la guerre Nabiso. Pensez-vous que l'influence de l'Église dans des pays pauvres comme la RDC peut aussi booster les choses? C'est la démagogie. C'est la démagogie. Église et Bongisa et Sika Mokoti. Je continuerai à les dire jusqu'à la preuve du contraire, mon frère. Église, la religion et ses églises et Bongisa et Sika Mokoti. Batika koko sabato et bongisa esika mokote bako sala ba prière au rendez du 1er janvier jusqu'au 31 décembre rien ne se fera, rien ne se fera mon frère. Alors je m'explique, judaïsme, je parle toujours de toi religion monothéiste qui prie un seul Dieu qui a commencé en Égypte par Akhenaton, hein? Le pharaon Akhenaton yemoto a intronisé qui culte ya un Dieu unique. Nazo corrigé un de frères, Naotanga Kombo Naete, un de frères évangélistes qui se croit connaître des choses alors qu'ils conduisent beaucoup la masse dans la bourse. Non, Roger Baka. Je ne cite pas son nom. Roger Baka. Vous comprenez? Il dit que la religion monothéiste a commencé avec les Juifs, avec Israël. C'est faux. C'est Akhenaton qui avait instauré le monothéisme. D'ailleurs, aujourd'hui, les recherches se sont en train de démontrer que Akhenaton, c'est lui-même Moïse. C'est lui-même Moïse. Vous comprenez? Alors quand je l'ai écouté, j'ai dit non mon frère, ce n'est pas vrai. C'est Akhenaton et les mages babyloniens, ils ont fui la Chaldée qu'on appelle aujourd'hui Iran. Ils ont quitté la Babylone qu'on appelle aujourd'hui Irak pour descendre maintenant en Égypte. Ils se sont alliés avec les mages égyptiens sous la conduite d'Akhenaton. Maintenant, c'est Akhenaton qui proclame, instaure le monothéisme. Et à ce moment-là, l'État hébreu d'Israël n'existait pas encore. Parce que cet État vient d'exister qu'en 1948, de notre ère. Est-ce que vous
comprenez, mon frère? Très bien. Alors, j'ai dit, il faut faire très, très attention. Comme j'ai écouté aussi un autre frère qui parlait de Melchisedec. Oh, Melchisedec comme ça. Mais j'ai dit, mon frère, non. Mais la maman de Melchisedec s'appelait Sophonime. Elle s'appelle Sophonime. Alors, je demande maintenant de faire maintenant des émissions un peu contradictoires avec ce frère-là, que j'aime beaucoup. Il parle aussi des choses vraies, mais des fois, on peut faire des dérapages. Donc, religion bongisa et sika mon côté. Religion monothéiste, judaïsme, christianisme et islam. Les trois religions monothéistes. Toi, tu es au judaïsme. Et Kozong et la Makamunango, pendant qu'ils étaient en Babylone, en déportation. Et Esdras, qui va réécrire la Torah, parce que la première Torah que Moïse nous avait amenée avait disparu. Torah et Bungaki. Alors maintenant, Esdras, avec son équipe, va faire la recherche et la recherche pour reconstituer maintenant un nouveau Torah. Et c'est là où il déclare que le samedi va être le jour sabbatique, pas le dimanche. Pas le dimanche ou le septième jour. Et que Dieu c'était le dimanche. Cette prière-là n'a pas de valeur. Alors, yo lukelango ye bisanga, mon frère. Judaïsme et bongisa wapi. À part État hébreu, la terre qu'ils ont conquis des Palestiniens. Et avant, c'était la terre des Noirs. Et bongisa wapi. Or, sont en train de nous piller. Même piller ces pays. Juifs qui ne les sont pas. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire ça. Ceux qui se disent juifs, mais ne les sont pas. Raison pour laquelle on les avait chassés entre 1940 et 1947 en Allemagne. On se comprend. Alors, maintenant, christianisme qui a été conçu, fondé au concile de Nicée en 325 par Constantin le Grand à Constantinople. Oyezali gréco-romain. Bayeko fabriquait un certain Jésus qu'ils avaient fabriqué. Oyebazo Samelaka Awa tous les jours. Un faux Jésus qu'on avait fabriqué au 3e siècle. Et Bongisa Wapi. À part gréco-romain, à part l'Occident, place Baouta qui n'a pas comme na bango. Bazoko piller au nom de la religion, au nom de Dieu. Babongisa Wapi. Nazo c'est la pasteur Mokaya Oyebsawa. Premier continent le plus christianisé, l'Amérique latine. Va aller voir ce qui se passe là-bas. Sous pauvre. Deuxième continent le plus christianisé, c'est l'Afrique. Yaka Komona. Nous sommes au Congo. Talaba Mangomba. Talaba Mangomba. Est-ce que Bozomona Bolamo? Parce que vous êtes dans l'erreur, Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Rien. Tu as reçu la troisième religion monothéiste, l'islam. Oyebanina Arabie. Babongisa Wapi. Parce que les musulmans, les mêmes qui courent, ils sont bons. Mais Dubaï, ils sont bons, ils paraissent. Mboka na Bango, les Émirats arabes. Et si Kaba Utaki, na Makamuna Bango. Sous bango kuna babonga mais est-ce que bango ba meme ki pona ba coloniser bino bo accepter religion na bango degré ou de force parce que nous ont fait accepter leur religion par la force tozong en époque azingankuvu c'était par la force ils nous ont imposé omoni babungisi biso nzela malamu babungisi biso nzela to komiko potana maintenant ils sont en train de former ambassadeurs na bango qui sont des pasteurs. Oh, Bagome Mabiso, nulle part. Raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'on doit fermer toutes ces églises-là qui sont implantées sur chaque coin de la rue comme des champignons parce qu'ils nous amèneront nulle part. Voilà, mesdames et messieurs, ce n'est qu'une première partie. Nous sommes avec le docteur Pierre Wapiti. L'homme s'exprime librement. Débat est libre et ouvert. Commentez positivement. Échangeons des idées. Cela nous fera énormément du bien. Alors, docteur Wapiti, c'est vrai, les gens sont en train de nous suivre. On a payé sa matière, on a enseigné. Mais il y a ceux-là qui ont des problèmes spirituels. Il y a des gens qui ont un blocage dans la famille. Il y a une famille qui a un bonheur, un bonheur. Il y a des gens qui ont une prophétie à voyager.
Moussou Pé, Azobé, la maladie Moura Moulia Milia Moulimou. Cancer est kangié, sida est kangié, kindo qui latin tout de la tibana. Bato bazana ba combat spirituel, bazana babi, babi, ma kambou et moulimou nanzoto papa, tout dans ma famille. Yo étant que spirituel, parce que tout à l'heure, au ba pasteur, au boy. Avez-vous une solution à apporter à ma famille Bongo spirituellement? Mon frère, nous sommes au 21e siècle, au temps des Verseaux, où la connaissance est en train de planer. Et chaque personne qui est libre et qui ouvre la porte, il aura cette connaissance. Elle aura cette connaissance. Hein? Nous ne sommes pas au temps de l'obscurantisme ou au temps de Moïse, où Moïse lui-même voyait. Aïra, oui, mais ça va tout. Dieu m'a dit. Tout ça, c'est n'importe quoi là. Toi, n'importe quoi là. Mon frère, dans un temps là, il y a une banderole qui a bloqué ta vie. Oh, je voulais photographier ça. Et le lendemain, quand je repasse sur l'endroit, banderole, les lingas mis dans mon pépé. Qui a bloqué ta vie. Je voulais aller assister dans ce séminaire là. Na yoka. Ce soi-disant homme de Dieu, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ah! A quoi raconter Nini? Ma tata na yo, ma koko na yo, ma maman na yo. Mais mon frère, na aucun écoute na ba kokote. Ma maman oya biso. Oyo ba viva ki na époque ya colonisation. Ba zalaka bien. Ma maman na biso ba bandeki kolela toujours ba noko ba belge. Bazalaka kolela toujours na tango ya ba noko ezalaka bien na tango ya ba belge ezalaka bien et tout ça même en Afrique du Sud bazolela lelo apartheid na yokaka yango na kame ba mama bazoloba na tango ya apartheid tozalaka bien tozalaka na misala tozalaka kolia tozalaka boy kelelo. Alors to remonter maintenant na époque ya ba ancêtres na biso. Est-ce que ba ancêtres na biso bazalaka mabi bazaka ko vivre malamo hein? Bazo ko vivre na chasse, bazo ko vivre na quête, bazo ko vivre na pêche, bazo ko vivre na agriculture na bango et bazo ko vivre na ba médecine traditionnelle herboriste. Ba yeba ki secret ya chaque plante. Il y a un ami, un frère pasteur, ils sont allés vers l'Équateur prêcher les indigènes là-bas les Pygmées. Alors oui, docteur Nyoka Asui Mutu, membre na biso équipe. Bisho to beniko sambela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus wana ya fo wana akanga et venait et progresser et envahir nzoto mobimbate. Alors un Pygmée seulement est entré précipitamment dans la forêt. Quelques minutes après, le Pygmée sort avec des herbes qu'il est en train de mâcher. Azuba herbe wana mashaki abambi esika morsure, il y a serpent et Zalaki. Une trentaine de minutes, les frères se sont niés. Alors, à l'obinanga, Tommy Moni Bazoba devant les Pygmées. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Tommy Moni Bazoba. Donc, mon frère, au Monico, ce pays va très mal. Très, très mal. Il ne faut pas aller chercher des sorciers ailleurs. Il faut chercher les sorciers chez nos gouvernants. Bato bazoko gouverner biso en commençant par le président de la République jusqu'au dernier administrateur de l'État. Bazako administrer biso mabe, bazoko gouverner biso mabe. Yango soko mona ba passe nyoso tozo mona bana ya kuluna. La prostitution toute la nuit. Moi, je sillonne cette capitale jusqu'à 4h du matin pour voir de mes propres yeux ce qui se passe. Bandumba comment nos jeunes filles, comment nos mamans sont en train de se prostituer, comment les jeunes sont devant le table qui vend des alcools sales. Et quand ils prennent ça, bah, comme ils collent là-bas, animal, et là, ils peuvent vous massacrer sans conscience. C'est très dangereux. Banani batiki yango, ce n'est pas nos gouvernants. Banani batiki ba terrasse chaque coin de la rue, espace nyo sur basso salango terrasse. Boîte de nuit. Banani batiki yango. Bangote. Banani batiki les églises implantées dans chaque coin de la rue qui ne contribuent rien pour le développement de ces pays. Et ne contribuent rien. Parce que contribuer le côté bazane le quoi contribuer pour relancer ces pays. Rien. Bazane ngote.
Venez la nouvelle onction. Quelle onction que vous allez donner? Quelle onction? Quelle onction? Vous pouvez m'expliquer l'onction que vous avez prétendu que Batouba y a na terrain songolo pour la onction? Onction nini wana? Mais ma prophétie peut ça m'en a beaucoup. Vous devez donner ça peut ça ma prophétie au landaga. Et où t'es dans zondo? Et où t'es dans ma kambouya kili kili? Notre grand frère Redingwe que j'ai sali, aza ko dénoncer bango. Mon frère, tant que tu as la gina bamala, hein? Bamala. J'ai grandi dans l'islam. Oyozo kotananda kwa mala. Na novandi te sa bandi koye biso makambu nyonso. Na couleur ya ndako na bino na tout ça. Yango nem te koye patenga, yango koye patenga te, tu peux avoir de certaines choses pour pouvoir commencer à te révéler de certaines histoires. Très bien. Cela ne dit pas que vous avez Dieu, vous allez relever ces pays avec ce genre de. Alors docteur Yomoko alors, mon frère, monsieur Togo Sunga, tu te ressens en publicité. Parce que quand on fait la marketing et la publicité, le produit peut être faux. Mais le colossal en publicité, il y a ma casse. Comme je suis en train de voir ces passeurs-là, comment ils font des publicités, comment ils font des panneaux, parce qu'ils ont l'argent, comment ils vont passer dans les médias, parce que, ils vont attirer tout. Est-ce que Jésus a ça qui publicité? Est-ce que Jésus, au bango batanga kawana, na Bible, on va comprendre en petit. Est-ce qu'on a ça la marketing? Non. Nous ne faisons pas la marketing, nous ne faisons pas des publicités, nous ne mettons pas non plus des témoignages sur la voie publique, que regardez, j'avais prié sur telle personne, il a été guéri. Regardez, une personne qui ne mettait pas au monde, on avait prié sur lui. Aujourd'hui, il a un enfant. Regardez, et une personne qui n'avait pas de papiers de séjour en Europe, on avait prié, il a des papiers de séjour en Europe. On ne fait pas ce genre d'histoire. Mouto, bisotoko, sungaza, mouto, batuyali, kolo, bango, moutou, bako, tindaye. Bango mutu bako tinda ye na ye moko kende pa ya mutu wana, kende pa ya mulakisi, kende pa ya longi, kende pa ya mwakwidi, ye mutu ako résoudre problème oyo. Ce qui peut te résoudre yango esili to tikio okende bisiko utaki. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer la gnose christique parce que la gnose christique c'est pour les élus qui sont en train de se préparer pour ce grand retour dans la maison du Père. Mais quand on fait des marketing et des publicités, le produit peut être faux, mais comme ils ont fait un bon marketing, une bonne publicité, les gens en achètent. Mais quand ils bouffent, c'est la mauvaise nourriture. Hein? C'est la mauvaise nourriture. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous signale que le numéro de mon invité est affiché au bas de vos écrans. Pour plus de contacts, dialogues, consultations, appels, questions, messages, l'homme est là, il est disponible. Son numéro WhatsApp est affiché au bas de vos écrans. Au Bengi, Bobeti Masolo, vous en avez besoin de solutions, problèmes. Il y a beaucoup à dire comment est-ce qu'à orienter, moi je ne maîtrise rien. Alors, merci à tout le monde. Merci pour la confiance renouvelée. Abonnez-vous encore une fois très massivement pour nous encourager. Partagez l'émission, partagez les liens. Suivez-nous attentivement et commentez positivement. Le vieux Gérard Sadam de Manchester. Yalu Zombala de Madrid. Merci à mon vieux John Ochudi Eli Miracle en Angleterre. Sans oublier, Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges en Belgique. C'est 6 août, Ezali anniversaire à maman. Tu as déjà bah, heureux anniversaire naïe. Maman Espérance à Soutoubert Barkange de Belgique. Bandegonion, Sobotel Rabisso, le célèbre Dien Zundou na Washington. Sois également béni. Maître Loupé est à Lisbonne, conseiller Papa Philippe Kabouikou na Suisse-Irlande. Je vous salue respectueusement. Docteur Wapiti Pierre. Nous voici arrivés complètement à la fin. Et la première partie. Tu reçois la seconde partie. Tu te rebalances en gros la semaine prochaine. Mais déjà pour boucler l'émission, s'il faut peut-être donner un petit message d'espoir à Nabato Bantanabiso Kolobani. Tu le remords au Bossanaki au paraphère rapidement aussi ici. Un numéro de téléphone. Et moi je dirais tout simplement que tous en attend il y a verso. Dans le 21e siècle, et le pays va très mal.
Et si nous voulons changer les choses, il faut entrer dans les institutions. Si tu es au la carte des institutions, tu te retires la carte pour spéculer, naba YouTube, naba coin, naba balabala, naba nzela. Tu vois. Et si le pays, ce pays va mal parce qu'il y a une mauvaise spiritualité qui est pratiquée dans ces pays. Premièrement, toutes ces églises-là implantées dans chaque coin de la rue qui nous ont désorientés spirituellement. Deuxièmement, même les francs-maçons, même les rose-croix, même les incacards, même toutes ces sociétés secrètes-là, ils sont nulle part. Alors il faut maintenant chercher par tous les moyens prendre le pouvoir et orienter les choses autrement. Ce qui est le cas, c'est que le cannabis est fleurir. Et dans les cas contraires, nous allons rester encore dans ces marasmes plus longtemps encore. Merci. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Surtout aux États-Unis d'Amérique pour le soutien que vous apporter à la news christique na otanga bakombo na binoté mais bino moko boyebi na otanga bakombo te bino moko boyebi tika été HM créateur et maître ya univers wamba pour tous les nos dieux père tout puissant nima we jandang la de nos ancêtres aiba kopambola royaume Congo diatotila ndenge fomukimbangu diantungu na alobela kiyango matondo numéro de téléphone accenti numéro de téléphone na ka boyebi plus 32 466 19 50 87 numéro nanga yangowana ou 04 plus 243 84 84 35 762. Que Dieu vous bénisse. Accent. Merci beaucoup. Bon, c'est Tchitcha Chimbuna Turquie, mais aussi Maître Sizasuka, ma puissance amikili. Vous avez belé, nous sommes ensemble pour de vrai. Retrouvons-nous prochainement avec d'autres invités. Bye bye et à bientôt. Merci docteur.